Cette étape de labellisation, elle est très importante pour le Conseil économique, social et environnemental, puisque c'est un point de concrétisation d'une action que l'on a engagée depuis le début de cette mandature, à savoir regarder sur les différentes plateformes les sujets qui émergeaient pour leur donner une traduction institutionnelle. Et évidemment, la labellisation va nous permettre d'aller plus loin, plus fort, d'être plus reconnu, parce qu'on sera davantage identifié sur ces plateformes. Aujourd'hui, on a un partenariat avec deux plateformes, change.org et Mes Opinions. Demain, j'espère que d'autres plateformes vont se joindre à ce mouvement et permettre au CESE d'avoir cette véritable visibilité et permettre donc aussi à des citoyens d'avoir ce réflexe. Et pour nous, c'est important qu'ils acquièrent ce réflexe de saisir le CESE pour des sujets qui les préoccupent. De regarder évidemment les pétitions qui tournent sur tel ou tel sujet. Et quand on parle des pétitions, on accorde une importance relative au nombre. Pour nous, ce qui est important, c'est de capter aussi des signaux faibles dans la société française, voir les petites pétitions qui émergent à plusieurs endroits en même temps et qui donnent peut-être le reflet d'une préoccupation de la part d'un certain nombre de citoyens. Et donc, c'est ceci qu'on veut capter. La labellisation est aussi une façon de mettre en place un dispositif qui soit complet, je dirais, de A à Z. Un dispositif qui va nous permettre évidemment de capter des pétitions, signaux faibles, préoccupations, d'en faire un rapport, un avis, et aussi, je l'espère, à travers la réforme que l'on attend avec beaucoup d'impatience au CESE, à travers la réforme, de trouver une sortie institutionnelle, obligatoire, dans le sens où elles devront faire l'objet, évidemment, d'une audition, soit en commission, soit d'un débat parlementaire auprès des pouvoirs publics. C'est important pour nous que ce dispositif soit complet, de façon à ce qu'un citoyen engagé, trouve cette sortie institutionnelle.